Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche sur la radiofréquence Paris Pluriel sur les 106.3 en FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Toute l'équipe de l'émission Le JD Info, John, Abba Paris, Simplice Animaux, nous sommes contents de vous retrouver. Le JD Info, John Dosavi Info, est un magazine culturel qui fait la promotion des arts de l'Afrique et des Afro-descendants. Littérature, science, musique, cinéma, danse, mode, communication, sport, tous les créateurs et tous ceux qui font l'actualité africaine sont à l'honneur. Vous aurez vos rubriques habituelles avec Abba Paris pour la santé, la cuisine et la beauté, John pour la musique et les infos culturelles, Simplice Animaux pour sa chronique littéraire et les messages des auditeurs. Nous espérons que vous vous portez bien. La pandémie n'est malheureusement pas finie. Prenez soin de vous et restez prudents en respectant les consignes sanitaires et les distanciations. Pour ce numéro, je suis en compagnie de Abba Paris. John nous rejoindra bientôt. Préservez-vous et préservez des vies. Restez prudents. Écoutons maintenant notre playlist pour bien commencer avec Tonus ce dimanche. Voici une petite sélection musicale pour vous. À toutes, avec nos rubriques habituelles. Écoutons maintenant notre playlist du dimanche. Musique et bonne écoute à vous et à toutes pour la suite de l'émission. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Abba Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Yaman, Marouana, International Hub. Tout le monde fume, mais il n'y a que le Rastaman qui assume. Tout le monde fume. Mais il n'y a que le Rastaman qui assume. Tout le monde fume. On sait que tout le monde se la roule de slalom. Tout le monde fume. Mais il n'y a que le Rastaman qui assume. Tout le monde fume. On sait que tout le monde se la roule de slalom. Je le police mène sa fume, je le militaire sa fume, je le gendarme sa fume. Je les avocats sa fume, les procureurs sa fume, même chez les juges sa fume. Les scientifiques sa fume, les ingénieurs sa fume, je les médecins sa fume. Les journalistes sa fume, les politiciens sa fume, les businessmen sa fume. Tout le monde fume. Mais y'a que le Rastaman qui assume. Partout tout le monde fume. On sait que tout le monde se la roule de slalom. Tout le monde fume. Mais y'a que le Rastaman qui assume. Partout tout le monde fume. Mais y'a qu'Amsterdam et la Jamaïque qui assume. À London ça fume, à Paname ça fume, à New York ça fume. À Abidjan ça fume, à Dakar ça fume, à Bamako ça fume. À Tokyo ça fume, à Pékin ça fume, Hong Kong ça fume. Tel Aviv ça fume, Marrakech ça fume, à Alger ça fume. Partout tout le monde fume. Mais y'a que le Rastaman qui assume. Partout tout le monde fume. Mais y'a qu'Amsterdam et la Jamaïque qui assume. Partout tout le monde fume. Mais y'a que le Rastaman qui assume. Tout le monde fume. Je sais que tout le monde se la roule et s'allume. Tu te l'achètes en cachette, tu te la roules en cachette. Tu te l'allumes en cachette, tu me fumes en cachette. Dans le milieu de format, cravate, constat, cigarette, vodka, whisky, coca. Mais retour au ticard, t'es un mot de marijuana. T'es un champion de la fumette, mais tu la joues un peu mauvaise. T'assumes pas, répète, rien que de la psycho gonflette. Jongle quand tu peux, vas-y, fais ce que tu veux. Arrête même la vodka qui fa fond la gancha. Une caricature pas, la vibe, rasta. Nous on s'y accroche comme le grand but à poche. La légalisation et l'émancipation. Tout le monde fume. Mais y'a que le Rastaman qui assume. Tout le monde
assume. Tout le monde, fume. Y'a que le reste à mamie qui assume. Y'a que le reste à mamie qui assume. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. C'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le
Le JV Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. GFPNLP. Ça toujours plus facile. Jouer les beaux gosses devant les amis. On y a un paquet de feeling. Des petits bijoux bling bling. Au soyeur, c'est gérer toute femme qui nie. Et là, on joue un anti-mi-mi. Tellement sexy ou pas, ça vous dit. Et là, toute bad boy qui n'y finit. Quand il beau l'amour, saisi devant femme ou tout. Et t'as une réaction en chaîne. Suffit que ton cœur s'emballe, que tu te rends compte que tu bégayes. C'est un phénomène problématique. Certains même sont en panique. C'est la filière d'une scène cinématographique. Une fois dans ses filets, t'es comme un nouveau-né sans sa clique. Le style des types qui flippent de leur éthique, qui ont peur de se faire jeter par leur équipe. Ils ont une âme de romantique, mais perdent une femme pour faire partie d'un stéréotype. Ouais, femme conquise ne rime pas avec soumise. Certains oublient cette devise. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles nous méprisent. La bêtise tout divise, surtout en période de crise. Mais l'envie fait que ce ne soit que partie et remise l'antise. D'être sous l'emprise de l'esquisse attire inévitablement celle que l'on courtise. La vie est un cadeau quand la femme a décidé de te l'offrir. À toi de trouver celle qu'il te faut pour pouvoir t'en réjouir. C'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JV Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Ndolo ya timba na ba Ndolo emba mulema Ndolo ya timba na ba Ndolo we
mama sendena di jebi so baba la mama sendena di bebwa mwanamba si di anepe di belonge mpepe la mama sendolo na musango la mengelendena owe meye timba la mengelendena di bebwa mwanamba di baka me bebe di bela sumwebe la mangelendolo Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. We'll be right back.
JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. C'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net.
Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Nous espérons que vous avez aimé cette bonne playlist bien sélectionnée pour vous. Nous arrivons maintenant à notre rubrique « L'invité du dimanche ». Ce dimanche, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète, arrangeur Philippe Bonner. Originaire de la Guyane française, Philippe Bonner est responsable de l'agence Ammonia Mango, une entreprise spécialisée dans la réalisation de projets musicaux de tout style. Dans la réalisation de pochettes, de flyers, affiches, vidéos et photographies. Réalisateur indépendant de films, Philippe Bonner est basé à Toulouse. Écoutons maintenant Philippe Bonner qui répond à nos questions. Bonjour Monsieur Philippe Bonner. Alors la première question qui nous vient en tête, qui est Philippe Bonner? Alors bonjour, je m'appelle Philippe Bonner. Je suis Guyanais, né à Cayenne. En ce moment, je vis à Toulouse. Alors, je suis auteur, compositeur, interprète et je possède mon studio pour réaliser mes projets. Je fais de l'enregistrement, des arrangements, du mixage, le mastering
et parfois des photographies. Je suis photographe aussi et des montages vidéo. Voilà, c'est tout ça, c'est pour que je puisse réaliser mes projets. Sinon, je suis aussi producteur de plusieurs albums, surtout avec le groupe Harmonia, qui est un concept qui est né en Guyane, hein, avec différents artistes venus de tous points. Alors chacun vient avec ses talents. Il y en a qui écrivent, il y en a qui composent. Bon, la plupart des chansons, ben, je les ai écrites. Et on est en ce moment au cinquième album Harmonia, et aussi avec je fais aussi d'autres artistes, comme le dernier que j'ai fait récemment pour le carnaval de Myrna Kuta et de Sylvain Rogier. Et puis voilà, hein, j'essaie de réaliser ce que j'ai envie en ce moment. Là, je suis en train de travailler sur mon deuxième album. J'en ai fait un il y a plus de 7 ans de ça. C'est l'album qui s'appelle La résonance des trois piliers. C'est mon premier album solo, et là je suis en train de travailler sur le deuxième. Parlez-nous de votre agence Harmonia Mango. Harmonia Mango est un concept, voilà. Et tout naturellement, il vient d'Harmonia, groupe qui est né en Guyane avec différents chanteurs guyanais et d'autres horizons aussi, parce que bon, elle n'en est pas que fermée, hein, la musique est ouverte à tout le monde. C'est un concept aussi où se regroupent plusieurs activités. Quand on verra sur le site harmoniamango.com, parce que je fais de la photo et aussi des expositions, on peut voir toutes les photos qui sont en téléchargement, aussi bien une plateforme de musique aussi, en téléchargement des différents artistes, de tous les albums de Harmonia qu'on peut écouter. Il y a aussi des vidéos. Alors, c'est un concept qui est amené à évoluer dans le temps, puisque je vais plus aller vers de la production et de faire connaître à travers ce label entre guillemets différents talents qui demandent qu'à s'exprimer. Et puis c'est un lieu d'échange et de partage de toute mon activité artistique. Quels sont vos projets professionnels ? Alors, mes projets professionnels sont simples, hein. Toujours dans la production musicale, des arrangements pour des artistes, hein, toujours, conception, parce que je fais de la PAO aussi, toujours dans cette vision d'une musique toujours en mouvement, faire découvrir d'autres sons. Voilà, essayer d'exprimer ce que j'ai en moi. Et puis, plus tard, faire quelques salles de petits concerts, de petits cafcons, pas quelque chose de trop grand. Et amener une nouvelle vision de la musique. Quelles sont vos plus grandes réalisations ? Alors, mes plus grandes réalisations, elles sont... principalement avec Harmonia, indéniable. C'est quelque chose d'extraordinaire, puisque avec les différents chanteurs, chanteuses, on a vraiment fait quelque chose pour à l'époque, maintenant avec le recul, qui était extraordinaire. Oui, sans conteste, oui, ça fait partie des choses qui seront gravées à jamais. Et puis avec mon premier album solo, oui. Parce que d'habitude je fais beaucoup pour les autres, beaucoup, et là ben, j'ai pris le temps de le faire, hein, pour moi, et ça a été vraiment un immense plaisir de pouvoir m'exprimer pour la première fois. Et là je suis piqué au jeu et je suis en train de préparer mon deuxième album solo.
Avez-vous un message pour les auditeurs de la radio Fréquence Paris Pluriel ? Je souhaite aux auditeurs une belle vie. Oui, une belle vie parce qu'avec tout ce que nous venons de passer, ces deux mois, vraiment terribles, mais même au niveau mondial, c'est quelque chose qui va nous marquer. Pour beaucoup de gens, ça a eu un impact. Et que ces moments difficiles nous ont amené à avoir une espèce de réflexion, une introspection de savoir qu'est-ce que nous voulons, qui sommes-nous, où allons-nous. Ce sont toujours ces trois questions qui reviennent. Est-ce que nous voulons ce monde d'avant ou bien nous allons la perpétuer ou bien nous voulons changer, hein. Tout dépend, c'est nous qui faisons le monde. Pour ma part, j'en ai profité pour composer, pour écrire. Des belles choses sont venues. Voilà, j'ai écrit, j'ai composé des nouvelles musiques. Tout ça pour dire que la vie est belle. Et ayez confiance. Ayez confiance en vous. Voilà. Alors, je vous invite aussi à aller visiter mon site harmoniamango.com. N'hésitez pas à vous inscrire et comme ça je pourrai vous envoyer des news, des infos et selon l'actualité et du moment. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une agréable soirée ou une bonne soirée au moment de l'écoute. À bientôt. Merci Philippe Bonner. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Après notre rubrique L'invité du dimanche, écoutons maintenant l'artiste Im North B dans le titre Yopé Musique. Otimbi Natimbelio. La reine Lyon BM. Ote le mino na kwen, o salino lo kote. Oto kino koutoute, na pete kaka bongo. Yope ba pesa ya. Yope ba pesa ya. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kamere. Yuma no kakat, zoba no kakat. Yuma no kakat, zoba no kakat. James Mobwano, l'homme idéal. L'architecte intelligent Jonathan Mutambala. Gauthier mascotte, Obani Boulon a 10. Olembino na 12. Talabaninga ba continue. Nasima tangwa sale. Yope ba futa ya. Poyo nani. Yope ba futa ya. Poyo nani. Nakate oye ba nikutute. Osolo laka kilo. Mesoki okuti banduliste. Nalo yenge kaka bongo. Yope ba bwa. Boss Raoul Machoupé, dis-moi ta face.
fondation DNT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Nous arrivons à notre rubrique, le livre du dimanche. Pour cette rubrique, nous allons retrouver Lydia Antoine qui fait un flashback sur la 5e édition du Festival africain des écrivains émergents. C'était au Cameroun. La rubrique, l'actualité du livre de cette semaine. On va faire un flashback sur la 5e édition du Festival africain des écrivains émergents. Cameroun. Le coup d'envoi de la 5e édition du Festival africain des écrivains émergents a eu lieu le 6 février 2020 dernier. Le Festival africain des écrivains émergents est une plateforme internationale qui se propose de réunir les jeunes Camerounais et Africains autour de la culture littéraire en général et de l'écriture en particulier. Il est né de la volonté ferme des jeunes de partager leur passion pour cet art, dans le but de contribuer à l'essor culturel de l'Afrique. Le tout motivé par un esprit de vivre ensemble, de partage et de découverte de l'Afrique profonde. Ce festival est aussi le lieu de mise en exergue du riche patrimoine culturel et littéraire de l'Afrique. Pour cela, il célèbre chaque année une figure plurielle de l'écriture africaine. Lydia Antoine, l'actualité du livre de la semaine. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Après Lydia Antoine, Dani Loni, notre chroniqueuse, va nous lire un extrait d'un test qu'elle a écrit sur le thème du racisme. Je tiens à préciser que ce test a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dani Loni. Il y a quelque temps, j'ai assisté à un échange sur Facebook entre deux personnes. La première personne disait « J'en ai marre d'entendre parler du racisme ». Et l'autre personne lui a répondu intelligemment « Et moi, j'en ai marre de le vivre. Je suis de l'avis de la seconde personne. Aussi, j'ai écrit un texte contre le racisme, parce qu'il le fallait. Pour moi, j'avais besoin de m'exprimer.
Je vais vous le lire. Le racisme. Le racisme est le poison de l'humanité. Il s'enracine à cause d'une minorité d'individus qui refusent que d'autres existent simplement parce qu'ils n'acceptent pas la diversité de l'espèce humaine. Il s'ensuit la haine de l'autre, la jalousie de l'autre, le déni de l'autre. Cette pathologie est provoquée par l'ignorance, l'inculture et le désir de mettre en doute l'histoire si elle ne leur appartient pas. Si l'histoire du monde est diverse dans ses composantes, on sait aujourd'hui que la plus ancienne civilisation a été construite par les Afro-Égyptiens, laquelle civilisation était source de beaucoup de découvertes et d'inventions. Cette civilisation kémite, peuple noir, a déversé et dispensé son savoir à travers le monde et d'autres civilisations l'ont utilisé ensuite, l'ont repris en partie pour construire à leur tour leur propre science, leur propre culture et ont profité de cette avancée pour évoluer vers le monde que l'on connaît aujourd'hui. De hauts scientifiques, architectes et historiens remercient d'ailleurs les Afro-Égyptiens pour leur contribution. Les racistes ne représentent qu'une petite partie de l'humanité, mais font énormément de dégâts dans les esprits. Le racisme aliène, détruit les familles, divise les fratries, l'humanité, crée des apartheids familiaux, isole et éloigne les personnes de leurs origines en leur matraquant le cerveau d'idéaux, de cultures et de religions étrangères aux antipodes des leurs. Tout cela pour les rendre ignares de ce qu'ils sont. Ils deviennent alors des êtres en proie aux problèmes identitaires insolubles que l'on connaît aujourd'hui. Ils montent les gens les uns contre les autres, car ils ont divisé l'espèce humaine qui est pourtant une et indivisible par des pseudo-sciences basées sur la colorimétrie des humains. Tous les blancs ne sont pas racistes. Preuve en est que la majorité descend dans la rue lors de manifestations antiracistes et défendent les grandes causes humanitaires. De même, les afro-descendants, noirs, qui subissent un racisme larvé, sournois, violent en France ou ailleurs, par des ignorants, sont les premiers, bien sûr, à être concernés et ne veulent plus entendre parler de racisme car ils le vivent au quotidien, même lorsqu'ils occupent de hautes fonctions. Plus aucun humain dans le monde ne veut vivre avec le racisme en épée de Damoclès sur la tête. Ce mal est à enrayer absolument, si l'on veut vivre ensemble sur cette planète en bonne harmonie. Pour mettre fin à ce poison qui gangrène sporadiquement notre intelligence, il n'y a qu'une chose à faire, s'unir contre ça. L'union fait la force. Je suis antiraciste et j'en suis fière, mais je ne m'ignore pas. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Retrouvons maintenant Ava Paris pour sa chronique santé. Ava Paris. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Fréquence Paris Pluriel. C'est le JD Info. Bonjour John, Tosavi, bonjour Simplice. Alors, qui dit Pentecôte dit printemps, qui dit printemps dit pour certains allergies. Et les allergies printanières ont toujours une solution. Et aujourd'hui, moi, je parlerai plutôt des solutions naturelles. Parce que comme d'habitude, chaque printemps, dans l'air s'impose cette fameuse scène reproductive de la mère nature et qui, pour nos naseaux et autres appareils ORL, ne reste pas sans surprise. Donc, si nous sommes désireux d'atténuer ces symptômes d'irritation, je vous propose quelques recettes naturelles à base de plantes. Ensuite, un peu plus tard, je vous emmènerai sur une plante de tradition ancestrale africaine et qui, mesdames et messieurs, ferait maigrir. Ce n'est autre que la star, le quinqueliba. Pour certains qui le connaissent déjà, dans certains grands supermarchés en distribution au rayon exotique. Donc n'hésitez pas, John Simplice. Et pour finir, nous allons pouvoir parler
du pouvoir des câlins. Et nous allons venir embrasser nos mères, nos grands-mères, et que le câlin, ce n'est pas que lors des fêtes, mais qu'au quotidien, il peut agir sur votre système cérébral en libérant ce qu'on appelle l'hormone ocytocine de la joie qui tue le stress. Et je pense que nous en avons grandement besoin. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Nous voici sur le JD Info. Et vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. À très vite. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Oui, le câlin. Il a même une journée à lui tout seul, le 21 janvier. C'est notre ami. Premièrement, ami du système immunitaire, un allié contre la déprime. Le câlin possède nombreux bienfaits pour la santé. Et encore, pour les bébés, il permet le développement cérébral. Pour nous, les adultes, on arrive à se débarrasser du stress. Et quand nous nous enlaçons, le cerveau libère, comme je vous le disais en intro, de l'ocytocine. C'est l'hormone du bonheur. Donc, lorsque nous nous attachons les uns aux autres, curieusement, nous nous soignons. Il y a en Inde cette dame qui fait le tour du pays et qui offre des câlins aux gens, systématiquement. Et c'est un genre de bénédiction aussi. Donc, si vous voyez des gens autour de vous, câlins gratuits, n'hésitez pas, allez-y. Mais il faut savoir que pour l'enfant, c'est un sentiment de réconfort et de sécurité. Ça redonne confiance en soi. Et différents chercheurs ont fait, depuis 1970 en particulier, des recherches là-dessus. Parce que certains enfants abandonnés dans des orphelinats, peu de contacts humains comme le pot à pot qu'on connaît aujourd'hui, a prouvé qu'effectivement, leur développement cérébral ne se faisait pas de la même manière et qu'adultes, les relations sociales étaient beaucoup plus difficiles. Donc, médicalement, il faut savoir que faire un câlin va réduire la tension dans le corps, donc la pression artérielle, ralentir le rythme cardiaque et permet de relâcher certaines tensions. Je pense que c'est plus rapide qu'une séance de yoga. Alors, il faut savoir que l'endorphine, c'est un neurotransmetteur qui, avec la dopamine, donc ces deux molécules qui sont reliées à l'amour, au plaisir, au bonheur, vont pouvoir lutter contre la déprime. Alors, c'est vrai qu'elle a lieu en janvier, parce qu'en janvier, on sort quand même d'une saison assez froide. Bon, il y a eu les fêtes qui ne sont pas forcément bien passées. Et on a besoin finalement de pouvoir se remonter le moral. Alors, il y a aussi une étude qui prouve en se faisant un câlin par jour, il y a moins de disputes et que notre système immunitaire se renforce. Alors attention, il ne faut pas aller sauter sur toutes les filles dans la rue ou tous les beaux mecs, mais faites des câlins à vos collègues de travail, à vos voisins. Ça permet justement d'avoir un relationnel plus sain. Alors, comme dit le psychologue américain Sheldon Cohen de l'université de Carnegie Mellon de Pittsburgh aux États-Unis, son étude, publiée en 2014, s'est intéressée au lien entre le câlin et le virus de la grippe. Alors, avec le Covid, je ne sais pas si c'est recommandé. Donc, le scientifique et son équipe ont prouvé que les personnes soumises à des gestes de tendresse fréquemment voyaient la gravité de leurs symptômes diminuer. En cause, le contact peau à peau, souvenez-vous des bébés, qui aurait le pouvoir de renforcer les anticorps et ainsi lutter efficacement contre les maladies. Alors, le pot à pot a connu un grand succès, surtout dans les maternités où on a grandement manqué de couveuses pour les prématurés. Et il s'est avéré que les prématurés qui avaient le plus souvent de contact avec leur mère, que ce soit sur la poitrine ou sur le ventre, développaient un système immunitaire plus fort, plus rapidement,
et grandissait et prenait du poids aussi de manière plus rapide et significative. Donc, il est impératif de s'aimer les uns les autres. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Il est impératif de s'aimer les uns les autres, comme disait une certaine reliure. Mais je pense que le câlin est aussi l'occasion de transférer de l'énergie et de faire en sorte de se lier aux autres. C'est un très bon moyen de pouvoir, peut-être sans les mots, exprimer une énorme émotion et une considération pour l'autre. Donc lui donner l'existence qu'il n'a peut-être pas au quotidien, qui se passe de discours finalement, surtout lorsque c'est difficile à prononcer. Donc câlinez-vous, câlinez les autres, câlinez surtout les tout petits, les grands et les moins grands, et nos papis et mamies. Voilà, donc pour la fête des mères, n'oubliez pas avant, pendant et après. Simplice John, je vous laisse nous ambiancer et je reviens tout juste après avec nos fameuses allergies printanières et les recettes qu'on me recommande et que moi j'utilise parce que je suis très sensible et pourquoi pas vous. Why?
Merci Ava Paris. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Écoutons maintenant un peu de musique, une petite sélection sur notre playlist DJ Arafat avec Martins du Nigeria. DJ Martins Arafat Yorobo. Levez la main tout le monde. Put your hands up. I don't like this shit, got your body. What's no say, my mama don't like them. I don't want this shirt but your body. What's up? But you know say my papa don't like them. What's up? It's laps. See, Shalewa, Halima. I get this friend where we get from Calabar, Labake, Fade. Come to think she be my personal person. But anytime when she come around, she get this feeling where they do me like fever. And when she dance with my mezzo boo, he dey be me like Senna for Fana. Me like how she play the bass line. It makes me sing ooh la la la. The way she the way she dance. It makes me sing ooh la la la. Oh yeah. When mommy come back, she a jump. Daddy come to me a cross. And when they ask me, it wasn't me. That's what me talk say. I don't like this shirt, but your body. Cause you know say, my mama don't like them. I don't want this shirt, but your body. Cause you know say, my papa don't like them. Listen up. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Ale pepe musenda, mambo bache matola kada, bache mawanya magoro, sinema bane mabane, kuna mangane bache mabane, koko banyeto, tolo tolo kama mana tala, tala matola kada bache mane mabane, sinema kolo kada mabango ni malaku. It makes me sing ooh la la la. The way she the way she dance. It makes me sing ooh la la la. Oh yeah. When mommy come back, she a jump. Daddy come to me a cross. And when they ask me, it wasn't me. That's what me talk say. I don't like this shirt, but your body. Cause you know say, my mama don't like them. I don't want this shirt, but your body. Cause you know say, my papa don't like them. Listen up. Oh na 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 na. Put your hands up. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Imara suswani, akwina nu. Ooh, makifine mebu spiritual healing. Amina, shalewa. However, no try me, cause if you try, I go do you many things. If you don't doubt me, no try me, cause if you try, I go do you many things. Like how she play the bass line, it makes me sing ooh la la la. The way she the way she that, it makes me sing ooh la la la. Oh yeah. When mommy come back, she a jump. Daddy come to me a cross. And when they ask me, it wasn't me. That's what me talk say. I don't like this shirt, but your body. Cause you know say, my mama don't like them. I don't want this shirt, but your body. Cause you know say, my papa don't like them. It's not. I don't want this shirt. Oh na 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 na. Raphaël,
Retrouvons maintenant Ava Paris pour sa chronique culinaire. Oui, rebonjour, vous êtes 106, pardon, sur le 106.3 Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est le JD Info et je suis Ava Paris. Alors, oui, c'est le printemps avec ce fameux pollen. On a le nez qui coule, les yeux qui piquent, la gorge qui démange et les allergies saisonnières par département, bien sûr, vont être en alerte rouge plus Covid, bien sûr. Alors, j'ai quatre petits remèdes maison qui pourraient vous aider à vous passer dans cette dure période quelques moments de douceur. Donc, une tisane d'ortie et de menthe poivrée. Puisque l'ortie contient, elle, ce dont on a besoin pour faire en sorte d'atténuer l'inflammation, c'est-à-dire que ce sont des enzymes comme l'histamine qui provoque, elle, l'inflammation, et qui va faire en sorte d'inhiber cette activité, tout comme la menthe poivrée, qui va pouvoir vous aider à ouvrir finalement les alvéoles pulmonaires. Donc, je vous dis que cette petite recette est une cuillère à café de menthe séchée dans un quart de tasse. Et un quart de tasse pour la menthe fraîche, donc hachée. Donc, une cuillère de feuilles d'ortie et une cuillère à café pour la menthe. Hein. Donc, il y a plus d'ortie que de menthe. Hein. Dans une tasse, moi, je vous recommande de prendre plutôt un petit pichet, d'y mettre de l'eau bouillante et de vous faire quand même un demi-litre pour pouvoir boire sur une bonne heure ou sur la journée, chaud, tiède ou froid. Mais il faut laisser infuser quand même 15 minutes. Vous pouvez ajouter un peu de miel de thym, ça aide aussi. Vous pouvez le boire 2 à 3 fois par jour, c'est recommandé. Donc, vous pouvez avoir aussi le côté plus tonique avec la vitamine C. Donc, saturez votre corps de vitamine C parce que ça va booster votre système immunitaire qui résistera mieux. Alors, vous pressez 2 oranges avec 1 citron. Dans l'action histaminique naturelle qui bloque cette sécrétion qui, par les globules blancs, qui nous irrite et nous agresse. Oh, je vais y arriver, hein. Oula. Oui, oui. Ça fait ça aussi, les allergies, ça empêche de parler. Donc, vous les mélangez, laissez-les rafraîchir un peu au réfrigérateur et buvez ce jus avec, bien sûr, une petite cuillère de miel parce que c'est acide et que ça peut irriter peut-être l'estomac au début. Vous pouvez faire, si vous êtes un peu plus vaillant, et moi je préfère encore cette option-là, c'est le jus d'oignon. Alors, le jus d'oignon, ça soigne la rhinite allergique, ça soigne le rhume en général. Le fameux remède homéopathique Allium Cepa, hein, qu'on utilise pour le nez, est issu de l'oignon. Donc, les composés sulfurés et anti-inflammatoires et la richesse en vitamine C vont permettre de pouvoir justement bloquer l'action histaminique des globules blancs qui réagissent à l'agression des pollens. Alors, la petite recette, c'est d'émincer un oignon, de le faire infuser dans un litre d'eau minérale pendant 8 à 12 heures, donc faites-le la veille. Mettez-le au frais ou le laissez-le à température ambiante. Ensuite, vous pouvez le garder 4 jours au réfrigérateur. Buvez-en 1, 2, 3 fois par jour et bien sûr toujours la petite goutte de miel pour pouvoir adoucir la saveur. Alors, mangez, si vous n'êtes pas allergique, ni aux pommes ni aux noix, le mélange fruits frais, fruits secs, permet d'alléger ces symptômes d'allergie. Donc, vous allez avoir un plus en magnésium. Les noix qui permettent justement de réduire la toux. Bien sûr, la vitamine E qui va aider à humecter un peu mieux tout ça, réhydrater les voies respiratoires. Donc, la pomme comme les oignons contient de la quercétine. C'est un flavonoïde qui va réduire la production d'histaminine. Oh là là, je vais y arriver. Mon Dieu, aujourd'hui c'est vraiment le week-end. Hein. Donc, la recette maison, ce serait d'hacher une petite poignée de noix, de couper la pomme, de saupoudrer le tout et de déguster, bien sûr, si vous avez un peu de miel, de déguster le tout ensemble. Alors, et puis, c'est un excellent encas qui peut remplacer
le fameux petit gâteau, le carré de chocolat et ainsi de suite, qui ne sont pas beaux pour les hanches. Raison pour laquelle ensuite je vous parlerai du quinqueliba parce que l'été arrive, le petit maillot de bain et bien sûr les petits capitons à débarrasser, surtout après le confinement et tout ce qu'on a grignoté, on en aurait bien besoin. Je vous laisse en musique. Blackness, oneness, so rare. So much love to give. Let them know they're missing out, Mama Africa. So much love to share. Sweet blackness, oneness, be there. So much love to give. Let them know they're missing out. Sing again. Hey. This for all the love and the life took away. Don't forget we were bought and traded. Ripped from the land and shipped away. I is the inspiration we use to survive. See. You have to see it with your own cries. Hey. Don't play add it up in a rhyme. Still you don't know. The land is so golden green. Place is so fresh and clean. And every day I water my garden. Tell if you feel it deep in your heart. The space is so cool and nice. Visit once, guaranteed to visit twice. And if you just believe in the Most High, I know you'll be alright. Mama Africa has so much love to share. Pure blackness, oneness, so rare. So much love to care. And let them know they're missing out. Mama Africa, you so much love to share. Sweet blackness, oneness, be there. Let them know they're missing out. Sing again. Hey. That's my favorite place when I need to get away. Hey. Must forget what we can't forget to pray. Our light lands right on the runway. In my homeland and I'm feeling so alive. See. Hear me chant Africa unite. Hey. Gone and accept the nice alright. Still you don't know. Skin is so dark and brown. Just listen up and believe me. Her dreams have the only cure. Her love is so new and pure. Back to kiss them troubles goodbye bye. No, I don't have to lie. Mama Africa, you so got much love, yeah. Pure blackness, oneness, so rare. So much love to care. Let them know that they're missing out. Mama Africa, so much love to share. Sweet share. Blackness. Nous sommes dimanche et vous écoutez la radio FPP, fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net.
Retrouvons maintenant Ava Paris pour sa chronique beauté. Ava Paris. Allô, allô, de retour sur 106.3, le JD Info de Fréquence Paris Pluriel. Merci John, merci Simplice, vous êtes avec Ava Paris et je vous parle du quinquennipa. Alors pour celles qui voudraient maigrir, c'est un excellent remède, mais pas seulement. Alors, qui est ce fameux quinquennipa? C'est une boisson, hein, qui est un remède à de nombreux maux, mais surtout c'est une plante originaire d'Afrique de l'Ouest. Donc son nom scientifique, c'est Cobretum micratum. Je ne sais pas si je le dis bien. On en trouve principalement au Sénégal, au Mali, au Soudan. Et à l'époque de la colonisation, ses propriétés médicinales ont été largement démontrées en pharmacologie et en phytothérapie. On la qualifie de tisane de longue vie. Le quinquennipa s'associe avec de la menthe ou de la citronnelle, hein, pour élaborer un peu le goût. Et ses vertus sont telles qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment le remède le moins cher, hein, en termes de phytothérapie. Donc voici quelques exemples de bienfaits. Permet d'éviter la constipation, les maux gastriques. Hein. Ensuite, au lieu de consommer du thé et café au quotidien, on évite justement cette théine et cette caféine qui peuvent agir sur le système nerveux. Les feuilles fraîches sont préférables aux feuilles sèches, mais bon, les feuilles sèches sont toujours plus faciles à garder. Mais c'est une plante qui a une teneur en acide aminé qu'on dit quaternaire, ce qui lui profère des propriétés cholagogues et cholérétiques. Donc ça va être du soin, que je ne vous dise pas de bêtises, hein, en termes d'anti-inflammatoire. Hein. Alors les propriétés en question, lorsqu'il favorise la sécrétion de bile indispensable pour digérer les graisses, d'où l'élément qui permet de maigrir, et une substance cholagogue facilite le processus digestif en général et l'élimination de la bile en particulier. Donc, vous allez éviter les aigreurs d'estomac et surtout avoir une meilleure digestion. Donc, des études chimiques ont été portées, hein, par le professeur Émile Perrault et ont mis en évidence ses propriétés cholérétiques et cholagogues du quinquennipa, qui fait que sa consommation est fortement recommandée pour ceux qui souffrent d'insuffisance biliaire ou de constipation chronique. Et il est idéal contre l'obésité. Encore le professeur Gilbert Dreyfus, toute personne obèse, d'après ce qu'il dit, qui boit moins et urine davantage, verra sa courbe fléchir rapidement. Le quinquennipa est riche en flavonoïdes, ce qui permet de doubler, voire tripler le volume urinaire. Alors, une boisson, on ne peut plus recommander pour les personnes suivant un régime amincissant et ceux souffrant d'obésité. Donc, utilisez 30 g de feuilles pour 1 litre d'eau, la porter à ébullition et donc laisser infuser. On ne la fait pas bouillir, hein, on laisse infuser la feuille, hein, environ 20-30 minutes. Hein. L'idéal, c'est de la consommer tôt le matin ou tout au long de la journée, à n'importe quel moment de la journée. Alors, elle permet aussi de réguler la tension artérielle, parce qu'elle est riche en catéchine et en tanin, donc deux substances qui ont des propriétés hypotensives et des propriétés diurétiques grâce à la forte teneur en nitrate de potassium. Donc cette boisson est excellente pour tous ceux qui souffrent d'hypertension artérielle et d'insuffisance cardiaque. Donc toutes ces substances qui font la particularité du quinquennipa ne sont extraites qu'en décoction, c'est-à-dire en utilisant de l'eau bouillante. Utilisez une eau filtrée ou une eau la plus pure possible, sachant que vous prendrez le temps de faire infuser l'eau, mais de boire la tisane tiède. Alors, elle permet aussi, et ça c'est excellent, de guérir du paludisme. Donc, les médecins missionnaires à l'époque du colonialisme, hein, ont expérimenté avec grand succès, heureusement pour eux, hein, parce que nous, effectivement, sur le territoire, hein, ce sont comme les Indiens avec la cérola, le quinquennipa est connu en Afrique, donc pour ceux qui n'étaient pas du territoire, il fallait absolument des remèdes, parce qu'ils n'avaient pas de pharmacopée qui connaissait aussi ce genre de maladie d'Anopheles du moustique. Hein.
Donc, le quinquelliba arrive à venir à bout de la septièvre bilieuse hématurique, hein, très sévère, hein, et que tout autre médicament, surtout à l'époque, avait échoué. Donc, de nombreuses études sont venues corroborer cette action et l'ont appelée tisane de vie. Et dans ces cas précis, on peut même faire infuser l'écorce qui est beaucoup plus amère, mais qui est beaucoup plus riche justement dans les propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Donc, flavonoïdes, tanins, polyphénol, ce sont des antioxydants qui vont efficacement permettre de lutter contre les maladies inflammatoires, donc les arthroses aussi, hein. Donc, il a aussi une teneur en chombrétine et bétaïne, qui sont des antibactériens, raison pour laquelle quand on a des gastro ou des diarrhées infectieuses, il est efficace, hein. Donc, les feuilles de quinquelliba associées à la racine et la tige ont des propriétés émétiques, hein. Donc, utile en cas d'intoxication alimentaire ou dans le cadre d'une épuration digestive, hein. Il est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, hein. Alors, pour tous ceux qui souffrent d'une affection du foie, il est extrêmement recommandé. Donc, c'est l'un des éléments. Alors, le foie est l'un des éléments les plus importants de l'organisme. On ne peut pas vivre sans, hein, on le sait. Mais il est facilement atteint, hein, par des hépatites, des cirrhoses, parce qu'on ne mange pas bien, on ne vit pas bien. Et le quinquelliba est l'une des plantes médicinales les plus utilisées pour traiter les affections du foie. Donc, si vous n'avez pas de maladie hépatique, vous pouvez en prévention l'utiliser. Mais le quinquelliba est très efficace pour épurer. Vous pouvez aussi faire cicatriser une plaie grâce aux propriétés antibactériennes. Alors, les feuilles fraîches frottées les unes contre les autres vont extraire un petit jus. L'écorce aussi, qui est un peu spongieuse à l'intérieur, va pouvoir aider au processus de la cicatrisation en l'accélérant, mais en servant d'antibactérien. Donc, je pense que là, il y a une petite idée à laquelle je pense et qui va bientôt voir le jour dans très peu de temps. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, vous pouvez toujours aller soit sur le net, soit sur Wikin, hein, et vous retrouverez tout plein d'autres informations. Mais je pense qu'on a fait le tour. Et moi, j'avoue que j'en bois tous les jours. Il faut savoir qu'il y a différents types de quinquelliba. Il y en a du vert, il y en a du vert foncé marron, et il y en a du rouge. Donc, selon les régions où vous irez, donc le vert au Mali, le rouge dans les régions du sud, du Sénégal, et le marron plutôt vers la Mauritanie, mais bon, les trois se retrouvent dans ces mêmes régions d'Afrique de l'Ouest, du Mandé, Fouta, Toro, Fouta, Dialon. Voilà, donc je vous laisse en musique et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent dimanche, un très bon lundi, et je vous dis à la semaine prochaine. Vous étiez avec Ava Paris, 106.3, Radio Fréquence Paris Pluriel. Et à très bientôt, John D. et Simplice. Bisous, bye. Merci Ava Paris. Nous sommes dimanche et vous écoutez la radio FPP Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 en FM, en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Nous arrivons maintenant à notre rubrique, le récit du dimanche avec Isabelle Gracien. Ici, Isabelle Gracien nous lit un extrait du livre « La France libre fut africaine ». Isabelle Gracien. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir Simplice. Ce soir, je vais vous lire un extrait du livre de l'auteur Eric Jennings intitulé « La France libre fut africaine » des éditions Perrin. Un livre qui relate de l'importance des troupes coloniales africaines durant la Seconde Guerre mondiale ayant permis à la France de devenir libre. Ce livre permet de révéler que l'Afrique française libre, dirigée par le gouverneur Félix Séboué, a apporté au général de Gaulle un gouvernement légitime. L'auteur, Eric Jennings, est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Toronto. C'est un spécialiste reconnu de l'histoire coloniale française. Il a entre autres écrit « Vichy sous les tropiques », « La révolution nationale à Madagascar », en Guadeloupe, en Indochine, de 1940 à 1944 aux éditions Grasset.
Voici donc un extrait de l'introduction de son livre « La France libre fut africaine » des éditions Perrin. Avec quelle rage l'antigaullisme de gauche et l'antigaullisme de droite, les communistes et les vichistes s'acharnent à propager la légende de la résistance de Londres. Aux uns comme aux autres, j'oppose la vérité, la France libre fut africaine. Voilà ce que soutenait fort justement au lendemain de la guerre Jacques Soustelle, ethnologue et commissaire national à l'information de la France libre. À l'automne 1940, Londres en soi n'apportait effectivement à la France libre ni combattants, ni matières premières, ni territoire national, ni souveraineté. La France libre s'étendait en réalité de la frontière tchado-libyenne au fleuve Congo, ainsi qu'aux îlots français épars du Pacifique et de l'Inde. Sans ces territoires, quelle crédibilité, quelle reconnaissance internationale, quel argument à faire valoir contre Vichy qui clamait la fidélité absolue de l'Empire. Alors que l'on connaît à présent le parcours et les motivations de Félix Eboué, le gouverneur guyanais qui rallia le Tchad au général de Gaulle, ainsi que les exploits de la résistance intérieure et de la lutte alliée dans leurs moindres détails, le sort de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, bastion gaulliste de la première heure, est demeuré jusqu'ici curieusement occulté, hormis quelques études universitaires spécialisées, focalisées sur une minorité des territoires en question, le Gabon et le Cameroun principalement. De 1940 à 1943, les principaux fondements de la France libre ne se situent donc pas à Londres, comme l'affirment la plupart des récits, mais en Afrique française libre. Le combattant résistant, archétypal de la première heure, n'est pas un Savoyard coiffé d'un béret, mais plutôt un Tchadien, un Camerounais ou un habitant de ce qu'on appelait alors l'Oubangui-Chari, actuelle République centrafricaine. Il est parfois volontaire, parfois pas. Pour un mouvement dont la gloire repose en partie sur le sursaut personnel du volontariat, sur l'élan patriotique, voilà de quoi troubler les esprits et brouiller les repères. De nombreux historiens ont établi que les maquis métropolitains connurent leur envolée autour de 1943. Nous savons en outre, grâce aux travaux de Jean-François Murat-Chollet, qu'entre l'échec de Dakar le 25 septembre 1940 et la fin 1942, la France libre peinait à recruter hors de ses territoires coloniaux et connut de ce fait un grand creux. Raison de plus pour situer une part importante de la première résistance française armée entre le Sahara et le fleuve Congo. Ce qui oblige bien entendu à repenser la France à partir de ses colonies. L'un des premiers réflexes du général de Gaulle en juin 1940 fut en effet d'exhorter les coloniaux à le rejoindre, si possible avec leur territoire. Le trou mémoriel est-il réellement béant? Hormis quelques rares exceptions comme au Mont-Valérien en région parisienne, l'on cherchera en vain une plaque ou un monument en hommage à l'apport de l'AEF et du Cameroun à la France libre. Les historiens et les cinéastes ont certes insisté sur leur rôle capital joué par des troupes issues des colonies françaises au cours des deux guerres mondiales. Au cinéma, en 2006, le film Indigène de Rachid Bouchareb a suscité une prise de conscience de la contribution africaine aux forces françaises combattantes. L'année suivante, François Broche, Georges Caillou-Tuccioli et Jean-François Murat-Chollet osaient briser un tabou en déclarant que la majorité des Français libres qui ont sauvé l'honneur du pays en 1940 ne sont pas des citoyens français. Mais même sur ce terrain, l'AEF et le Cameroun restent globalement sous-estimés. Bien des récits, à commencer par celui du film Indigène, ont en effet tendance à débuter en 1943, avec l'entrée dans la bataille de l'AOF, l'Afrique occidentale française, et de l'Afrique du Nord, et non en 1940. À l'instar de la remarque du président Jacques Chirac qui s'est dit choqué par le sort réservé aux anciens combattants issus des colonies,
L'opinion s'arrête donc aujourd'hui sur les fameux tirailleurs d'Afrique occidentale et sur les troupes maghrébines entrées en guerre à partir de 1943. Mais une autre réalité et une mémoire demeurent enfouies. Celle des dizaines de milliers de soldats tchadiens, congolais, camerounais, centrafricains, gabonais qui portèrent le fer contre l'axe dès le début de l'année 1941 alors que la métropole agonisait. Mes recherches révèlent l'étendue de l'effort de l'AEF et du Cameroun dès 1940. Pour être plus exact, il faut tenir compte d'un dédoublement, car l'AEF et le Cameroun basculent dans le camp de la France libre en août 1940. Une petite tranche de ces soldats est ainsi comptabilisée deux fois. J'émets donc l'estimation de 27 000 hommes d'AEF et du Cameroun dans les rangs des forces françaises libres. Certes, ces chiffres peuvent sembler relativement modestes par rapport au nombre d'Africains du Nord comme de l'Ouest sous les drapeaux en 1940, par exemple, mais le fait est qu'en dehors des éléments présents sur le sol de l'AEF et du Cameroun en 1940, ces hommes sont hors combat entre 1940 et 1943. Et surtout, ce total pèse lourd. En fonction des estimations, à l'été 1943, les forces françaises libres comptent environ 70 000 âmes, 39 000 citoyens français pour quelque 30 000 coloniaux. La fédération de l'AEF remplit par ailleurs un rôle stratégique majeur. En 1941, Leclerc s'en sert de base pour investir la Libye mussolinienne. Enfin et surtout, l'Afrique française libre apporte au général de Gaulle une légitimité, un territoire et des administrés faisant de la France libre non plus un mouvement, mais un gouvernement. D'ailleurs, le rebelle ne s'y trompe pas. En 1940, dit-il, dans les vastes étendues d'Afrique, la France pouvait en effet se refaire une armée et une souveraineté. Si la France libre était bel et bien africaine, force est de constater que cette Afrique n'était guère libre. En effet, l'effort africain ne fut pas toujours librement consenti. Les prestations et le travail par contrainte redoublèrent en AEF et au Cameroun à partir de 1940, les recrutements militaires plus ou moins forcés également. Le ralliement de l'AEF et du Cameroun en août 1940, érigé plus tard en moment de gloire, les ralliements de ces territoires étant connus sous la désignation des Trois Glorieuses, suscita à l'époque bien des difficultés. À titre d'exemple, avant-guerre, 90% des exportations de l'AEF et du Cameroun se dirigeaient vers l'Europe continentale, dont la grande majorité pour la France marchait désormais exclue. Il fallut réorienter l'économie de la colonie, envoyer ses denrées vers le Royaume-Uni, les États-Unis ou vers les colonies britanniques comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Là aussi, les enjeux étaient de taille. Les archives révèlent cependant qu'administrateurs et entreprises privées ne parvinrent pas à surmonter leurs différends dans les secteurs aurifères et sylvestres notamment. L'épisode de la France libre en Afrique est aussi l'histoire d'une certaine cacophonie, d'un apprentissage à l'économie de guerre dans une zone soudain recadrée dans une sphère d'influence britannique. Enfin, les très nombreux essais sur le thème de la France-Afrique ont eu tendance eux aussi à ignorer l'impact de la France libre en Afrique, cette fois dans l'après-guerre. Il s'agit donc ici en partie d'une histoire de l'oubli. Néanmoins, en termes mémoriels, j'affirme ici que l'image de la France libre africaine, que le souvenir de Brazzaville gaulliste, ont été déployés de façon multiple et parfois contradictoire depuis 1945. Ainsi, dans le sillage de la décolonisation, les relations franco-tchadiennes, franco-congolaises et franco-gabonaises peuvent être utilement appréhendées à travers le prisme mémoriel de l'Afrique française libre au combat. L'épopée de la France libre est connue dans ses moindres détails, répliquera-t-on. Certes, les nombreux récits des ralliements de l'AEF et du Cameroun et de ses premiers triomphes à Koufra puis au Fezzan en 1941 et surtout à Birakeim en 1942 se sont gravés au fil du temps en images d'Épinal.
L'ascension fulgurante de Philippe Leclerc, qui confectionne lui-même ses galons pour faciliter le basculement du Cameroun dans le camp de la France libre le 27 août 1940, le serment de Koufra du 2 mars 1941, durant lequel ce même Leclerc jure de ne pas déposer les armes jusqu'à la libération de Strasbourg, la traversée du désert, l'héroïque défense de Bir Hakeim du 26 mai au 11 juin 1942 contre les troupes déterminées d'Erwin Rommel, sont repris comme autant de vignettes et de litanies, parfois à la phrase près. Raison de plus pour revisiter cette histoire à la lumière des archives, en portant une attention particulière à la dimension africaine de la question. Car dans les mémoires des principaux acteurs français libres, comme dans beaucoup d'histoires du mouvement, l'Afrique et les Africains sont à la fois omniprésents et invisibles. Les mémoires tendent à préciser le nom de chaque Européen tombé, parfois suivi par un chiffre souvent plus élevé, de tirailleurs anonymes. Ceci pour les combattants africains, bien entendu, mais aussi pour les chauffeurs, mineurs, chefs, porteurs, ouvriers, travailleuses et récolteurs et récolteuses de caoutchouc, ayant tous joué un rôle dans le versant africain de l'histoire de la France libre. Je vais vous lire maintenant une partie de la conclusion générale à la page 283. En mars 1943, une femme qu'un document de l'époque identifie simplement comme « maman française » dont le fils est à Londres avec le général de Gaulle, composait ces quelques vers en hommage aux combattants du BM2 à Bir Hakeim. L'Empire abandonné à sa lente agonie n'avait jamais voulu accepter la défaite. Quand l'appel retentit par les ondes infinies, reprendre le combat fut un signal de fête. Ils se levèrent tous ceux de l'Afrique noire, les fidèles croisés de la libération, et par vents et marées, certains de la victoire, ils sauvèrent à jamais l'honneur de la nation. Rédigés dans l'enthousiasme martial de 1943, ces vers posent les jalons d'une mythologie entourant le premier effort français libre. Je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, de m'avoir écouté. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Notre deuxième récit du dimanche avec Lucrèce Taïrou. Lucrèce Taïrou nous fait ici un coup de gueule sur le racisme. Avec toutes les aberrations qui divisent le monde actuellement, je me suis posé une question. Quel est le problème de l'homme ? Qu'il soit noir ou blanc, qu'il s'appelle George Floyd ou Steve Benson, qu'il se nomme Adama Traoré ou Claude Dupont. Il y a une blessure profonde qui divise les nations, mais sur quoi est-elle basée exactement? Nous sommes tous faits de chair et de sang, dotés d'un cerveau, mais vivant dans des réalités différentes. Pourquoi la réalité de tous les jeunes rides à travers le monde s'oppose à celle de tous les Byron de la Beckwith du globe? Quoique je sais qu'on ne trouvera jamais de réelle réponse et que ce débat peut être éternel, je me suis plongée dans une œuvre qui permettra peut-être d'ouvrir les yeux de certains. Et pour que vous compreniez, je vais vous lire un extrait. Introduction. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Aimé Césaire, discours sur le colonialisme. L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive point armé de vérités décisives. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses,
je vais les dire, non les crier, car depuis longtemps le cri est sorti de ma vie. Et c'est tellement loin. Pourquoi écrire cet ouvrage? Personne ne m'en a prié, surtout pas ceux à qui il s'adresse. Alors? Alors, calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre. Et puisque je le dis, il s'agit de le prouver. Vers un nouvel humanisme, la compréhension des hommes, nos frères de couleur, je crois en toi, homme. Le préjugé de race, comprendre et aimer. De partout m'assaille et tente de s'imposer à moi des dizaines et des centaines de pages. Pourtant, une seule ligne suffirait. Une seule réponse à fournir et le problème noir se dépouille de son sérieux. Que veut l'homme? Que veut l'homme noir? Dussé-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur? Je dirais que le noir n'est pas un homme. Il y a une zone de non-être. Une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentiellement dépouillée, d'où un authentique surgissement peut prendre naissance. Dans la majorité des cas, le noir n'a pas le bénéfice de réaliser cette descente aux véritables enfers. L'homme n'est pas seulement possibilité de reprise, de négation. S'il est vrai que la conscience est activité de transcendance, nous devons savoir que cette transcendance est hantée par le problème de l'amour et de la compréhension. L'homme est un oui vibrant aux harmonies cosmiques. Arraché, dispersé, confondu, condamné à voir se dissoudre les unes après les autres, les vérités par lui élaborées. Il doit cesser de se projeter dans le monde une antinomie qui lui est coexistante. Le noir est un homme noir, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers d'où il faudra bien le sortir. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps, le blanc et le noir. Tenacement, nous interrogerons les deux métaphysiques et nous verrons qu'elles sont fréquemment fort dissolvantes. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Franz Fanon, peau noire, masque blanc. Le JB Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animo. Le JB Info sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Après ces récits de nos chroniqueuses, répatons en musique avec Commandant Simi qui nous chante Partage mon SMS pour Mama Africa. Trop de guerre sur nos terres, c'est l'enfer, on n'a plus trop peur. Et pourtant, les voix de nos ancêtres résonnent jusqu'au plus profond de nos êtres. Mais on se gagne. On se gourou-bata-gourou-bata-gourou-bata. Hey, on se zaga-zaga-zaga-zaga-zaga-zaga. On se zigou-zaga-zigou-zaga-zigou-zigou. Partage mon SMS à tous les enfants de Kama. C'est une SOS pour Maman Africa. Partage mon SMS à tous les enfants de Kama. C'est une SOS pour sauver Africa. Oh.
trahison et destruction. Aux arômes gaspillation. Et pourtant, les voix de nos ancêtres résonnent jusqu'au plus profond de nos êtres. Mais on se gagne, 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 gagne. On se gourou, bata, gourou, bata, gourou, bata. On se zaga, 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 zaga. On se zigou, zaga, zigou, zaga, zigou, zigou. Partage mon SMS à tous les enfants de Kama. On s'étonne SOS pour maman Africa. Partage mon SMS à tous les enfants de Kama. On s'étonne SOS, faut sauver Africa. On espère que vous avez eu du plaisir à notre compagnie et vous profitez bien de ce dimanche, tout en restant prudent. A très bientôt sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Merci et à très bientôt avec Ava Paris, John et Simplice Animaux. A très vite donc. Vous pouvez aussi nous envoyer vos messages et vos coups de cœur littéraires sur notre numéro WhatsApp +33 06 26 31 36 77. Passez un bon dimanche et à très bientôt sur le JD Info sur Fréquence Paris Pluriel. Le JD Info, c'est chaque dimanche de 8h à 10h avec John, Ava Paris et Simplice Animaux. Le JD Info sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne et sur internet www.rfpp.net. Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France.